Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Chaos. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de réception. Donc de réception de colis Pokémon. Alors par contre je tiens juste à préciser avant que cette vidéo, bah, du coup elle est un peu tournée à l'arrache parce qu'il me manque toujours un colis FedEx. Avec un peu de chance il viendra pendant la vidéo. Donc comme ça au moins je pourrais couper tout ça et puis le récupérer et c'est bon. Sinon, bah, je vous dirai pas au revoir, je couperai et puis j'attendrai qu'ils viennent pour terminer la vidéo. Parce que c'est quand même un gros truc en fait qu'ils doivent me ramener. Donc bon, on verra bien. Donc on va commencer. Encore un grand merci à vous tous, vous êtes vraiment exceptionnels, vous êtes des super abonnés. On vous adore, je tenais juste à le dire. Donc voilà, donc on va y aller. Donc deux Pokébox de nouveau Soleil et Lune. Parce que bon, j'en avais ouvert avec vous une Solgaleo Lunala. Du coup, bah, on les avait plus en trop, comme on dit. On en avait donc là, il nous en restait 4. Du coup, on en a de nouveau 6. Donc, ça, c'est fait. Donc, hop, on passe tout de suite hein, parce que c'est pas. Voilà. Pareil pour les coffrets Loup-Garrok là-bas, ce sont des nouveaux aussi. J'en avais ouvert un avec vous. Il y a Dessy qui en ouvrira un aussi. Donc, bah, du coup, voilà, on en a récupéré 2 autres. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc, on va y aller cash. Donc, on va passer au booster. Donc on s'est refait de nouveau un petit un peu oui j'ai pas tout pris hein, par contre c'est juste histoire de pouvoir faire tenir ça donc ce sera très bien. Donc j'ai repris du Impulsion Turbo, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai avec cette série mais je l'adore. Donc bref, il y a de nouveau un display entier d'impulsion. Donc ça c'est bon, on va rester dans le XY. Donc on a un display scellé, mais on en a repris 36 donc d'offensive vapeur. Voilà. Nous on aime bien le scellé, on aime bien les ouvrir, hein, ça je pense que voilà, vous le savez. On reste dans le XY avec, on verra si Dessy aura toujours autant de chance ou si moi j'en aurai, avec une nouvelle fournée d'impact des destins. Donc ça, hop, ça va là. Tac. Oui, donc comme dit, j'ai pas pris les 36 à chaque fois, comme ça je pourrais les faire tenir, ce sera moins le bordel que les dernières fois, parce que les dernières fois c'était quand même quelque chose. On continue XY, donc cette fois-ci avec du Rupture Turbo, parce qu'il y a un O, il y a. Oula, attendez, je vais la refaire. Il y a un OO foulard dans cette série que j'adore, que j'aimerais bien avoir sous PCA, donc voilà, la collection elle est complète, mais c'est vraiment juste pour OO foulard en espérant qu'on arrivera à tomber dessus. Donc tac, on met ça là. Ensuite, on va reculer un peu plus dans le temps. Alors, tac, je sais pas. Normalement, il me semblait en avoir déjà pris la dernière fois. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait de nouveau 36 boosters d'explosion plasma. Donc de noir et blanc explosion plasma. Tac. Et on va terminer juste les boosters. Parce qu'après, il y a encore. Attendez, je regarde. Ouais, après, ce sera un peu plus lourd. Ça, non, ça pourrait plaire. Donc ensuite, on a aussi récupéré le noir et blanc Noble Victoire. Donc toutes les illustrations sans problème, hein, voilà. 36 également. Donc bon, là, ils y sont pas, hein, c'est juste histoire de gagner un peu de place parce que c'est vraiment. Donc voilà, donc là, ils y sont. Ils sont un peu collants d'ailleurs, ceux-là, ils doivent provenir de Tripack, je pense. Hein. Oui, c'est super collant. Donc tac, on va mettre ça ici. Voilà, et maintenant, on va enchaîner. Alors, suivant. Donc vous avez dû le voir normalement, je sais plus dans quelle vidéo c'était. Je sais plus, j'avais coupé, je sais plus du tout. Bref, donc c'est un tripack noir et blanc avec la petite Zoroa promo qui est vraiment magnifique. Je la trouve trop mignonne cette Zoroa. Il est vraiment bizarre mais j'adore, franchement j'adore. Donc voilà, ouais, donc il y a du noir et blanc pouvoir émergent. Bon, c'est pas une série extrêmement compliquée, mais bon voilà. 2011, hein, si je dis pas de bêtises. Non, c'est du 2011. Oui, c'est du 2011. Donc ça, on va mettre. Bon, on va le mettre là comme ça. Voilà, en attendant. Ensuite, un autre tripack. Tac, du platine. Avec donc platine vainqueur suprême et platine rivaux émergents. Donc avec la petite Regi Gigas de Pop 9. Bon, qu'on a déjà, mais voilà, donc c'était. Bon, le tripack, voilà, il valait le coup. Du coup, bah, on a récupéré ce tripack parce qu'on ne l'avait pas enscellé de toute façon, puis on l'ouvrira hein, de toute manière. Tac. Et enfin, dernier tripack, un peu plus vieux encore, puisqu'il est de 2009, celui-là.
C'est un tri-pack diamant-perle. Donc avec deux tempêtes, un éveil des légendes et un magnézone promo ou pas? Oui, promo. Tac. Voilà, donc c'est la DP, j'arrive pas à lire du tout. La DP 32. Voilà. Donc ça en moins. Tac, ça c'est fait. Ouais, et bon, par contre, il a un peu de vécu hein, quand même. Bon, enfin bon. De toute façon, il sera ouvert également. Tac. Ensuite. Ah oui, c'est pas fini. Non, ça on va laisser. On va prendre celle-ci en premier, je pense. Tac. Une petite Pokébox Meganium. Ou j'allais dire Macronium, mais non, Meganium. Donc scellée. Pas de problème, elle est scellée. On pouvait pas la laisser passer, il n'y avait pas moyen, c'est français, bien entendu, c'est français parce que voilà, on n'a pas envie d'avoir des trucs qui sont pas français, sauf, bien entendu, hein, comme on avait déjà dit, si ça n'existe pas autrement que dans une autre langue que l'anglais ou le japonais, par exemple. Le petit Typhlosion ici, donc le Meganium et le. Je l'adore en plus, Alligator. Voilà, c'est Alligator si je dis pas de bêtises. Ok, nickel. Donc, je vais la mettre ici. Faut pas non plus que ça pète tout parce que sinon ce serait ballot. Voilà. On enchaîne. Une autre Pokébox dont j'en suis quand même très très fier, mais vraiment, qui date de 2013. Tac. C'est une Pokébox QRM blanc EX. La Pokébox en plus est magnifique. Sincèrement, c'est une beauté. Scellée également. Hein. Voilà, elle est juste un peu déchirée ici, mais bon. On l'ouvrira avec vous, mais quand, je ne sais pas encore. Parce que bon, voilà, cette Pokébox, je la trouve vraiment, vraiment super belle. Voilà, donc, tac, on met ça ici. Tac, voilà. Ensuite, dernière Pokébox. Alors, si celle-là, j'en étais fier, celle que je vais vous montrer là, écoutez, c'est. Voilà, pour moi, c'est juste un bonheur, mais un bonheur de dingue. Je pourrais même plus vous dire de quand elle date, malheureusement, je ne sais plus. Je ne sais plus. Tac, une Pokébox Mewtwo. Mewtwo EX, bon, elle est beaucoup plus vieille hein, que celle de 2016, ça, il n'y a pas de problème, c'est avec la Darkrai. Donc là, il y a Darkrai, là, il y a Rayquaza. Et mon petit Mewtwo que j'adore. Donc voilà, donc une petite Pokébox Mewtwo. Vraiment, vraiment belle. Je l'adore. Et la carte, en plus, est magnifique. La carte est vraiment d'une beauté. Enfin, voilà. Donc ça, c'est fait. Ouais, on essaye d'aller assez vite, hein, quand même, pour cette réception. Maintenant, on va terminer par le plus lourd. Par le plus gros. Pas forcément le plus lourd, mais le plus gros. Tac. Je les prépare. Tac. Et on y va. Alors, on va commencer avec le plus récent. Il faut pas que je dise de conneries. Le plus récent, normalement, c'est pas lui, c'est censé être lui. Ah non, même pas. Ah bah oui, non. Bon bah voilà, on commence par le plus récent. Tac, un display or et argent Triomphe, scellé français, avec le Elekable, le. Oula, aidez-moi. Diancie. Mais non, c'est pas Diancie, qu'est-ce que je raconte? C'est Dialga. Ah oui, c'est Dialga. Et le Maganon. Ah, donc il y en a tac tac tac, il y en a 36, hein, c'est bien 36 qu'il y en a dedans de toute façon. Donc voilà, c'est du or et argent Triomphe. Neuf, avec les petites Pokéballs, c'est juste parfait. Voilà, c'est nickel. Et celui-là, je pense qu'on va kiffer l'ouvrir, parce qu'il y a de super belles cartes dedans. Et puis voilà, donc est-ce que je peux. Pouah, je sais même pas. Hein, j'ai peur parce que c'est lourd quand même, donc. Si je le mets ici. Ok, ça passe. Ça passe juste, mais ça passe. Et vu que FedEx n'est toujours pas arrivé, donc on va quand même poursuivre la vidéo avec le dernier display. Le dernier display qu'on a récupéré, qui est tanana, du Platine Vainqueur Suprême, avec mon petit Dracaufeu que j'adore, donc scellé aussi en français. Rayquaza, donc ici. Le petit Dracaufeu, ici. Le Karchak Croc ici et ah bah oui le Absol parce que Absol il est aussi ici là il est vraiment magnifique voilà il est top. Bon il a pris voilà il a quelques petits coups mais bon c'est pas grave il sera ouvert de toute façon aussi voilà en espérant bien sûr tomber sur la Dracaufeu d'ailleurs si jamais je peux au montage parce qu'en fait on utilise maintenant enfin on va utiliser entre 2 à 3 logiciels. Je vous mettrai la petite photo de la carte Dracaufeu que j'affectionne juste là normalement, là quelque part ici là. Et puis voilà. Donc ça c'est pour la réception, donc comme dit la partie, enfin c'est pas la partie, hein, mais voilà, donc c'est la réception d'avril.
Je suis dégoûté, vraiment, parce que normalement, là, il devait y avoir encore autre chose. Là, il devait y avoir autre chose et ça y est pas. Donc, je vais parler encore un peu avec vous en espérant que le mec y sonne d'ici là. Sinon, de toute façon, je ferai une coupure et hop, je reviendrai. Donc, je vous dirai pas bye bye. Donc, j'en profite juste pour vous dire que samedi, du coup, c'est le premier On vous fait plaisir qui, en fait, est le deuxième, le choix des abonnés, mais qui change de nom. Voilà. Donc en fait, dans cette vidéo, pareil, je vous aurez, là normalement, vous avez vu des petits mots un peu partout. Normalement, il y a trois mots qui sont apparus, pas très très longtemps, hein. En fait, les trois mots mis bout à bout, ça vous donne le nom d'un Pokémon. Si vous trouvez le nom du Pokémon et que vous l'inscrivez en commentaire, vous gagnerez un booster, une carte ou quelque chose. Donc ça, la première, c'est samedi. Là, c'est juste un petit test en fait pour voir si ça peut le faire ou pas. D'ailleurs, je pense qu'on vous donnera un booster pour la première. Je sais pas encore quelle série ni rien du tout. Mais bref, voilà. Donc le principe, on va le réexpliquer. Là, c'est juste un petit test. Donc ceux qui veulent, ils peuvent essayer de retrouver les mots, tout ça. Mais il faut bien regarder la vidéo du coup. Voilà. Donc faut retrouver les mots. Tac. Ça donne le nom d'un Pokémon. Vous le mettez en commentaire. Si vous êtes le premier ou la première à écrire le nom du Pokémon, vous gagnez le lot. Voilà, et puis la semaine prochaine, ça change. Et puis voilà. Donc du coup, bah, j'espère que le concept va vous plaire. Moi, je peux pas dire plus en fait pour le moment. Je suis obligé de couper. Je suis obligé de couper puisque bah, FedEx est toujours pas là. Du coup, je vais pas vous retenir pendant 3 heures, donc je pense que je vais couper et puis je vous reprendrai en fait bah, dès que ça aura sonné. Ah, je suis vraiment, vraiment désolé. Ok, on est heureux. Désolé. Donc c'est bon, c'est récupéré. C'était quand même quelques longues minutes après la coupure. Donc, attends, je vais faire ça comme ça, voilà. Donc, alors déjà, on va juste terminer parce qu'il y a encore les duopacks, les tripacks, pardon, qui sont venus. Donc voilà, donc c'est juste deux tripacks double danger. Voilà, c'est tout. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, je l'ai pas ouvert, hein, je l'ai pas ouvert. Bon, je retourne pas vu qu'il y a les adresses. Du coup, alors, il faut que j'arrive à l'ouvrir, mais en restant ici, ce serait bien de pouvoir faire ça. Je suis pas sûr d'y arriver, mais bon, on verra bien. Donc, tac. Tac tac tac. Bon. Alors attendez. Attendez, parce que vu que là il y a le scotch. Parce que le but ce serait pas de péter ce qu'il y a à l'intérieur quand même. Parce que. Alors attendez. On va y arriver. J'aurais dû prendre les ciseaux, c'est pas vrai. Bon. Non, on va faire autrement. Tant pis, on va passer par là. Tac. On va essayer de pas tout faire tomber. Hop. Ouais, j'ai fait un peu de place, hein, comme ça au moins. Allez, on est parti, on va faire ça comme ça. Normalement, ça sort. Ah, c'est parfait. Ah, c'est parfait. Nickel! Bon, ça dégage. Alors, attendez, on va faire ça comme ça. Ah, c'est nickel. Oh là là, c'est nickel. Et c'est du neuf, c'est entièrement scellé. Ah, c'est nickel. Donc, c'est... Bah, vous le voyez, hein, c'est la collection Southern Island. C'était une collection promo donc à l'époque. Donc attendez, j'ai pas envie de. Waouh, mais j'ai pas super beaucoup de place. Il y a tout qui tombe. Attendez, 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 ça va le faire, ça va le faire. Donc on va faire ça comme ça peut-être. Voilà, donc là on peut voir ce qu'il y a dedans. Donc ouais, il y a le reflet là-bas derrière, c'est horrible. Voilà. Donc il y a 18 cartes uniques donc de la collection. Donc là oui, c'est de l'anglais vu que c'est sorti qu'en anglais. Bon, en Jap aussi, mais le Jap non, donc on préfère anglais. Donc ça n'existe pas en français. Donc il y a 18 cartes de la collection. Il y a ah bon, il y a des booster packs dedans. Attendez, attendez, attendez. Booster pack? Aléatoire? Non, attendez, il y aurait trois boosters aléatoires là-dedans? Voilà, mais là j'ai envie de l'ouvrir. J'ai envie de l'ouvrir. Bon, ce seront des boosters en anglais, hein, mais bon, voilà. Bon, on verra bien de toute façon. Donc, il y a un classeur spécial Southern Island. Nickel, parfait. Il y a une liste des cartes. 6. 6. Zut! Ah, j'ai plus le mot, mais 6 cartes postales. Voilà, pardon, avec Pokémon, bien entendu. Tac 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 tac, et il y a bien sûr les petites pages pour mettre les cartes dedans.
Donc voilà, j'ai pas envie du tout de l'ouvrir, j'ai vraiment pas envie de l'ouvrir tout de suite, ça c'est clair. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est beau quand même. Regardez-moi ça, c'est trop beau quoi. Ah, même le Pikachu, voilà, l'île en forme de Pikachu, moi j'adore. Voilà, franchement, je kiffe. Ici, là, on peut voir le petit Wizard. Parce que ça date de quand ça, tiens? Donc 18, blablabla, blablabli, blabla. Non, j'ai pas la date. Si la date, elle doit être là. Donc ça doit être de 95-2000. Donc c'est de 2000, alors si je ne dis pas de bêtises. Donc ça doit être de 2000. Du coup, voilà, bah, on l'ouvrira ensemble. Je ne sais pas encore quand. Mais on ouvrira ça ensemble. Sincèrement, c'est quelque chose dont je suis extrêmement fier. Je suis super fier d'avoir chopé ça. Il est neuf, hein, vous voyez. Oh, attention la caméra. Pardon, désolé, c'est l'émotion. Donc il est neuf, hein, il y a le blister et tout là. Regardez, tac. Ouais, il y a le blister, il est neuf. C'est voilà, c'est juste parfait. Du coup, je vais le mettre là. On va faire très attention. Bon, j'avais fait un peu de place, hein, comme dit, voilà. Donc voici donc le fameux Southern Island. Voilà, écoutez, c'est parfait. C'est juste, pardon. Génial, j'en perds mes mots, je suis vraiment, vraiment super content. Je suis super content. J'ai presque envie d'ouvrir un petit booster là au pif, mais non, non, ça on va laisser pour les multi-ouvertures et tout ça. Donc du coup, bah écoutez, bah voilà, bah, la réception elle est finie. J'ai vraiment un point d'interrogation sur ce 3 randomized booster packs là. Donc est-ce qu'il y aurait 3 boosters aléatoires là-dedans? Aïe, je ne sais pas. Normal, bah si c'est écrit, j'ai envie de dire oui. Mais quel booster serait dedans? Ah là là, si seulement c'était des Gym Challenge ou Gym Heroes comme on avait eu un display, vu que c'est des collections qui sont que américaines. Ce serait dommage quand même d'avoir du Néo, même. Non, il n'y aura pas de Néo. Je pense pas qu'en 2000, il y a du Néo. Il y aura peut-être du jungle. Si vraiment il y a quelque chose dedans. Si vous le savez, dites-le moi parce que sincèrement, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé, mais pour moi, ça, là, ça veut dire qu'il y a 3 boosters dedans. Inside, hein, tac tac tac, booster pack aléatoire, donc voilà, peut-être. Bon, on l'ouvrira ensemble à un certain cap d'abonnés, je sais pas encore lequel, mais j'espère que ça y viendra vite parce que j'ai vraiment vraiment envie de l'ouvrir. Hein. Là, ça c'est un truc, c'est, écoutez, c'est magnifique. Voilà, donc du coup, bah voilà, bah, vidéo terminée. Elle était vraiment galère à tourner, ça la croyez-moi, vraiment vraiment galère. Le montage, je sens qu'il va être galère aussi. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on veut vous faire partager notre passion. Voilà, voilà, c'est ça. C'est Pokémon et des objets comme ça, des items comme ça. C'est d'une beauté. C'est une beauté. Voilà, c'est une beauté. On va juste le retourner pour la fin de la vidéo. Tac. On va mettre le petit Pikachu parce que j'aime bien. Voilà, j'aime bien l'île en forme de Pikachu. Les cartes, elles sont trop, trop, trop belles là-dedans. J'essaierai peut-être au montage de vous en mettre quelques-unes. Elles sont vraiment jolies, vraiment, vraiment jolies. On l'ouvrira ensemble. Je sais pas quand, mais j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà. Bah écoutez, bah, la vidéo elle est terminée. Comme d'habitude, je vous mettrai des liens un peu partout. N'oubliez pas, si c'est pas encore fait, d'aller voir la vidéo où on a eu un Dialga métal. Un Dialga métal, s'il vous plaît, c'est quelque chose d'incroyable aussi. Et puis du coup, bah voilà. Bah moi je vous dis à demain pour la multi-ouverture. On reviendra un peu sur le. Zut, j'ai plus le nom. Sur le On vous fait plaisir de samedi. Et puis bah voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, abonnez-vous si c'est pas encore fait, partagez, ça nous ferait super plaisir. Restez comme vous êtes parce que vous êtes tous absolument géniaux, géniaux, géniaux. Un grand merci à vous tous. On a une communauté vraiment exceptionnelle. Ce serait génial si elle pouvait rester comme ça, ce serait vraiment parfait. Bah écoutez, bah voilà, bah moi je vous dis portez-vous bien, profitez à fond de votre passion. Je vous dis des pika salut. Et pika salut. Pardon, je m'égare. Coupez hein, ce que j'ai dit tout à l'heure parce que je me suis totalement brouillé. Donc on va la refaire plus sereinement. Moi je vous dis des pika salut sur la pika île. Elle est trop mignonne cette île, elle est vraiment trop mignonne. Il y a l'église qui recommence, donc c'est pour vous dire le bordel. Donc on va faire très très vite. Je vous dis profitez à fond de votre passion, portez-vous bien, portez-vous tous bien, on vous adore, vous êtes géniaux, ne changez rien, et puis bah moi du coup je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, une multi-ouverture qui est très attendue, et puis bah voilà, bah écoutez, j'ai plus rien à dire, et vive Southern Island, voilà, ça c'est fait, allez, salut à tous.